Ma soeur me dit. Oui, mon frère. Dis-moi un peu tes impressions par rapport à l'œuvre, la mission là. Ben, c'est touchant. Ah. Et ça me fait mal au cœur de les voir comme ça sur le terrain. Hein. Ah. Il faut venir sur place pour que les gens puissent voir. Mais en regarder là. Regarder à la télé, c'est pas vraiment ça, mais quand on est sur place, c'est vraiment touchant, quoi. Cela, il est quelle heure là? Ça fait mal au cœur. Ben, il est 1h. Hein? Il est 1h moins 3. 1h moins 3. On est où là? On est à Porte d'Aubervilliers. Porte d'Aubervilliers. Porte d'Aubervilliers, c'est. La réalité sur place, elle est autre chose. Voilà. C'est autre chose. Voir à la télé, entendre parler, c'est autre chose. Venir sur place, c'est. C'est des choses différentes. C'est ça la vraie réalité en fait. Voilà. Tu vois vraiment la souffrance des gens et. La majorité des gens, ils souffrent, hein, par rapport à des divorces, par rapport de foyers. Tu les vois dans la rue, ça, franchement, ça fait mal au cœur. C'est vraiment ce qu'il y a, toutes sortes de situations, en fait. Toutes situations. En fait. Ça, t'as des divorcés, t'as des... Il y a un qui vient là. Regarde mon frère. Ouais. Il arrive, non. Ouais, il va passer. Du coup, par rapport à la parole, vous en pensez quoi? Ça fait du bien, ça fait du bien et on comprend le sens de la parole. Quand le Seigneur nous demande de nous aimer les uns les autres, que la véritable religion c'est de visiter ceux qui sont dans le besoin. Et c'est en mettant en pratique la parole en fait qu'on se rend compte que la parole est vraie. La parole est pure, la parole est authentique. Et en fait c'est ça qu'on doit faire. Il faut qu'on arrête de penser seulement à nous. On commence à penser aussi aux autres en fait. Car la Torah nous demande de penser aux autres aussi. Voilà. Et ce qui est surprenant, c'est le témoignage des gens. On entend ce que je raconte. C'est ça. T'as vu, on entend la vie des gens, ce qu'ils vivent. Mm-hmm. Des gens qui sont divorcés, qui sont tous dehors. Voilà, toute origine, hein. Algérien, Nigérien, on a vu quoi d'autre? Guinée, Mozambique, Gambie, RDC, Congolais, voilà, de jeunes, de moins jeunes. Des Nigérians qui sont livrés eux-mêmes. C'est ça. En tout cas. On prie le Seigneur, quoi. Vraiment, on prie le Seigneur parce que ça fait mal. Ça fait mal au cœur quand tu vois les gens. Ça fait mal au cœur parce que ça. T'as des pères de famille, t'as des mères de famille, t'as des. Voilà, la dame là qui est venue tout à l'heure, là. La jeune femme, voilà qui. Elle était déçue parce qu'elle a dit elle voit tout le monde. Contre elle était bien, elle voyageait, elle avait son travail. Voilà. Elle avait une vie normale. Et du coup, elle se retrouve à la rue. On n'est pas à l'abri de nous retrouver à la rue aussi. C'est ça. Voilà. De ne pas se reposer sur nos acquis, surtout. Voilà. Aujourd'hui, ça va. Mais demain. Demain appartient à Olim, c'est demain. C'est ça. Voilà, donc vraiment, marchons dans la part, dans la vérité en fait. Ouais. Hein. Craignons le Seigneur. La femme qui demande pour la chambre aussi. Voilà. Il y en a qui sont prêts à payer des chambres, mais qui sont dehors. C'est ça qui est marrant. Ils sont prêts à payer des chambres, 200 euros pour payer une chambre. Mais il est dehors parce qu'il n'y a pas de chambre. En tout cas, bien aimé. Voilà, vraiment persévérant, en tout cas. Et vraiment pour le Seigneur, en fait. Voilà. Grâce à nous, que nous, on puisse faire l'œuvre du Seigneur. En fait, il faut qu'on prenne le temps. On doit vraiment racheter le temps. Les jours sont mauvais, on voit les signes ici à Paris. On ne se rend pas compte. Hein. Il y a les drogués, il y a. On voit les gens qui. Voilà, il y en a. Ils sont là, voilà. C'est dans le coin. Hein. Voilà. On n'arrête pas de les chasser ici. Aussi. Il y a des policiers partout là. Il y a une compagnie des CRS qui sont là. On a plein là. T'as qui est là, t'as les CRS, t'as la gendarmerie. Voilà. Tout le monde, en fait. Donc en gros, on est dans un monde compliqué. Et en tout cas, si l'église ne se lève pas, ben, c'est compliqué. Quoi. Voilà, en fait, c'est les enfants de Dieu. Toi, enfant de Dieu, toi, frère, toi, sœur, il est temps de te lever. Il est temps de te lever. C'est bien de prier, c'est bien d'aller à l'église, c'est bien de faire tout ça. Mais aller dehors, c'est mieux. Ah oui. Aller dehors, c'est mieux. Il faut pas rester dans les bâtiments à prêcher. Ça ne suffit pas, Dieu, en fait, Dieu, il faut aller sur place pour aider ton prochain. Aujourd'hui, aller seulement à l'église tous les dimanches, ça ne suffit plus, en fait. Il faut sortir. Aller voir les malades dans les hôpitaux. Aller voir les autres dans des prisons. Aller voir ceux qui sont dans la rue, car ils ont besoin. Ils ont besoin. Un petit sourire, ça fait du bien, en fait. Ah là là, elle a pleuré là, ça l'a fait du bien là, les dames là, quand tu leur as parlé. Juste en parler, ça lui a fait du bien. Ça fait beaucoup de bien. Vraiment, levons-nous.
plus disons enfants de Dieu, levons-nous. Non, mais il faut une prophétie, apparemment, il faut une prophétie. Non. Il faut que le Seigneur le dise clairement à l'oreille. Ma fille, mon fils, va œuvrer, va évangéliser. Va. Ah, non, c'est pas ça. Non, dites-moi un peu, parce qu'il faut. Il faut une prophétie. Le Seigneur a déjà tout dit. Il faut une vision, au songe. Le Seigneur a déjà tout dit. Vous en pensez quoi? Oh, Dieu m'a rien dit. Vous en pensez quoi? Oh, j'attends qu'ils me disent. Il nous a appelés pour aller. Allez, fais de toutes les nations des disciples. Il a déjà dit. C'est primordial. Et aimer ton prochain comme toi. Voilà, il l'a déjà dit. Donc, si, je pense que si Dieu t'a béni, il faut bénir les gens qui souffrent. Amen, amen. Ils sont vraiment dans les besoins. Quoi. Amen, amen. Le travail amen. Que tu as, c'est pas que pour toi et pour tes enfants. Amen. C'est aussi pour les autres. Le bien que tu as, c'est pas que pour c'est toi. C'est pas seulement enrichir les pasteurs les dans les églises, voilà. donne et tu seras béni. Non, il faut donner à tes prochains qui souffrent plus dans la rue. Les SDF, les orphelins, les veuves. C'est ils ont terrible, vraiment hein. besoin, ils ont besoin de nous. Et le Seigneur, il est très soucié. Bah, bien sûr, là. Bien sûr. Bien sûr. Il faut qu'on se lève, quoi. Bien sûr. En disant chrétien, les bien chrétiens, sûr. Réveillez-vous. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Les temps sont durs, les temps sont durs avec le coronavirus qui est là. Les temps sont durs. Voilà. Si nous qui sommes enfants de Dieu, on ne sort pas pour aider les autres, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué. Tu veux un café, Arthur? Un café. Un café? Comment tu veux? Un gâteau. Un gâteau, non, là, on a plus beaucoup, là. Ça va? Tu veux quelque chose? Ouais, c'est bon. Tu as ta faim? Ça fait deux. Donc, tu veux du jus? Non, 110 ton maillot, c'est bon? Ouais. Oh, c'est non, le dernier en plus. Hein. Ouais, c'est une chance. Tu veux une bouteille d'eau? Non, j'en ai deux. C'est ça qui me paraît. Tu veux un café ou pas? Café ou deux? Non. C'est bon, c'est ça, aller. C'est bon. Ça va? On doit mettre deux gardes. Hein. Ouais, faut... Bouteille d'eau, oui, madame. Bouteille d'eau? Ouais. Parce que là, les gars, faut prier. Le monde va mal, les gars. Ouais. Voilà, le monde est complètement. Ouais, non, c'est pas ça, c'est que je suis venu dans un état de chaussures, mais j'ai pas. Il nous donne pas assez de nourriture. Des restos, des trucs pour manger. Ouais. Donc je suis obligé de monter. Ici à Paris ouais. J'ai même ma voiture. Je tu travailles. Je vivais dans ma voiture, mais. Parce qu'en fait, j'ai pas mes papiers encore. Ah, que Dieu t'aide. J'ai perdu quand même ma pied. Le Seigneur t'aide en tout cas. J'ai pas envie de faire de conneries. Donc je vais ici, je vais Non mais au moins tu tombes pas dans la délinquance. Voilà. Voilà. Ne bascule pas dans le mal en fait. Vaut mieux mendier que d'aller faire le mal voler ou quoi. T'as raison. Alors, en tout cas, frère, je vais t'aider. Merci. Et je vais t'aider en tout cas. Voilà. En tout cas, voilà. Alors, nous on est là pour ça. Merci. Voilà. En tout cas, tu veux quoi chef? Tu veux quoi? Café? Tu veux quoi? Ah des sandwichs, on a pris. Il y a plus de sandwichs? Ah oui. Tu veux le café, thé? Bon, il n'y a plus de sandwich. Ouais, voilà. Il n'y a plus, voilà. Vous voyez, on a pas fait, on a fait, mais bon, il n'y a plus. Voilà. Il n'y a plus, il n'y a plus. Voilà. Donc, voilà. La prochaine fois, on fera plus. C'est ça. Il n'y a pas de le pain, rien. On fera, mais en fait, ils ont tout pris. Il n'y a plus. Il n'y a pas de gâteau, il n'y a pas. Ils ont tout pris. Tu peux faire du sucre ou du café, du thé? C'est bien du café. Je vais boire le café, il m'en fait. Ah, il en fera, le pauvre. Ah, le pauvre, ouais. Ça fait mal ça. Ah, voilà. Seigneur, vous voyez, il n'y en a plus, bien aimé. Écoutez, il n'y en a plus là, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. La moisson est grande, frère, la moisson est grande. Voilà. La moisson est grande, mais voilà. Il y a peu d'ouvriers. Voilà. Voilà. Il manque des bras. C'est dur, hein. Voilà. C'est dur. Il manque. Devant nous, frère. Voilà. Voilà. Levons-nous parce que là, voilà. Les âmes ont besoin là, voilà. Oh Seigneur Adonai, gloire au Seigneur en tout cas pour le peu qu'il a donné. En tout cas, le Seigneur est bon. Le peu qu'il a donné déjà à Sophie. Voilà. Voilà. Il y a aussi dentifrice, tu veux? C'est bon? Il y a dentifrice? Frère, dis-moi. Tu veux dire quoi aux gens? Hein? Tu veux dire quoi aux gens? Je dis merci pour les gens qui aident. Merci pour les gens positifs. On est là pour se réunir, on se aide. Grâce à Dieu. Ah, ok. Voilà. Donc, quittez les choses. Voilà. Donc, je remercie. Je remercie votre présence et que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Et comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Je m'appelle Reda. Reda, regarde. Nous, on est des chrétiens. Ouais, mais tellement. Ça ne nous empêche pas de venir. Parce que il y a un seul Dieu. Un seul Dieu. Et l'amour, c'est l'amour. Et on croit tous les prophètes.
ça on voit. Le plus important, c'est l'amour. Nous, on est venus, que tu sois... Voilà. On réunit pour ça. On est là pour les humains. Voilà. Voilà. Donc, en tout cas, Reda, que le Seigneur t'aide, en tout cas. Merci. Je veux te prier, voilà. Et vous, voilà. Comment vous appelez? Moi, c'est Bédi. Bédi, et toi? Franck. Moi, c'est Jess. Et aussi, il y a le frère Brian, le frère Sophie. Vous êtes de voilà. Quel pays? Alors, un peu de quoi? Bonne moi, question. Je moi, moi, je suis du Congo. Congo, la sœur de Haïti. Il y a aussi la Guyane. Il y a aussi la Martinique. Et la Guadeloupe aussi. Voilà. Nous aussi, on est Yougoslaves quand même. Yougoslavie. Oh, Kosovo, Yougoslavie. Bon, voilà. Ben voilà. On a la famille. Ben voilà. Kosovo. On respecte tout. Tout le monde, on respecte. Il faut se respecter, il faut s'aimer. Non, parce que c'est pas tout le monde, c'est pas les miens, c'est pas les Japonais, c'est pas les Chinois. Le monde, c'est à tous nous. C'est ça ou pas? Sors-moi un café, s'il te plaît. Donne un café, s'il te plaît. Tu veux un café? Ok. Ah, frérot.